Et salut tout le monde, ici Pokémon TV et on se retrouve pour une vidéo info de la plus haute importance. Et c'est pourquoi cette vidéo, je tiens à vraiment à ce que vous écoutiez le plus longtemps que possible et vraiment attentivement. Alors, comme vous pourrez le constater, vous avez vu dans ce cas l'épisode du plateau... non, pas le plateau du défi extrême, plutôt le... je confonds avec mon défi extrême. Allez, la tour du défi extrême proposée par Zartial59 lors de l'épisode 22. Alors, que nous sommes d'accord, là, la demi-finale va dans ce cas être annoncée. Ce qui signifie après qu'il y aura la finale qui va être annoncée. Du coup, ce qui signifie encore une fois que après la finale, il y aura dans ce cas mon défi extrême qui sera dans ce cas mis en place. Par la même occasion, alors, il y aura dans ce cas des personnages qui seront déjà mis en... J'ai déjà mis des personnages qui seront mis en avance. Donc, pour vous dire que voilà dans ce cas ma demande. J'ai la plus grande demande que j'ai à vous faire, c'est pour ce défi extrême, je voudrais que ce soit vous, et oui, vous qui regardez la vidéo, je voudrais que ce soit vous qui choisissez mes personnages au défi extrême. Après, vous me dites, ouais, si on peut proposer par exemple des personnages de défis extrêmes tels que Harold, tels que Joël. Alors, pour ça, j'ai déjà prévu. Alors, par contre, il y a certains Pokémon peluches que je ne peux pas vous laisser prendre et qui sont alors déjà prévus. Alors, bon, ça va vous faire un petit... ça va vous spoiler en fait un peu les personnages qu'il y aura. Par exemple, Givrali, il sera. Tartar, il va y être. Après, je vais mettre un autre personnage, mais c'est un secret, hein. Et ensuite, étonnamment, j'ai mis Geno. Oui, Geno sera bel et bien dans Défi Extrême. Du coup, vous avez qu'il y aura ces quatre personnages-là. Par contre, à savoir, Grand Schtroumpf, Tétart, Mayona vont faire partie du Contre-Choc Show. Mais et du coup, par contre, pour les personnages que vous pouvez choisir, désolé, je peux pas vous laisser prendre, par exemple, Octorok. Octorok est beaucoup trop gros. Les personnages qui sont vraiment énormes, ce serait difficile de tenir tout ça. Alors du coup, votre but à vous. Alors, écoutez-moi bien. Vous devez choisir deux personnages. Deux personnages de mon monde à moi. Vous savez, genre Lapidex, Lapin Crétin... Ou alors, vous voyez, Gros Ours, ou encore, enfin bref, il y a beaucoup de Pokémon peluche, type Plouf, vous avez compris. Du coup, deux personnages, vous choisissez deux personnages que vous confirmez dans le défi extrême. Et ensuite, vous pouvez choisir ensuite un troisième personnage, à savoir que le troisième personnage sera mis en liste d'attente. Donc, ce que vous faites, vous dites, voilà, je veux tel personnage et tel personnage que je veux confirmer dans ton défi extrême. Et au troisième, c'est le mettre dans la liste d'attente. En fait, pour ceux qui seront dans la liste d'attente, ils seront choisis un seul. Il n'y aura qu'un seul qui sera tiré au sort. Et je compte sur vous à m'écrire en commentaire vos deux personnages que vous confirmez dans le plateau d'à côté, plus un autre personnage que vous mettrez dans ce cas dans la liste d'attente. Et attention, il est interdit de prendre un personnage qui a déjà été cité dans les commentaires. Si par exemple, personne A a choisi Tiplouf et Simba, et que une autre personne veut, par exemple, veut Arco et Simba, pour la deuxième personne, ne peut pas choisir Simba, il devra choisir un autre personnage. Donc, vous avez bien compris le système, et donc le plateau d'à côté, il sortira quelque part en mi-décembre. Alors, je sais pas si je ferai en mi-décembre parce que je sais pas si à cause des fêtes, je sais pas si j'arriverai dans ce cas à faire mon défi extrême tranquillement. Enfin, je verrai.
mais il y aura aussi un épisode 0 quand je présenterai les candidats. Après, pour les épreuves, alors j'ai toujours trouvé le 3 quarts des épreuves, il m'en manque toujours un quart des épreuves, et c'est bien sûr à partir des finalistes, et il m'en manque encore environ 5. Donc 5 épreuves, c'est vrai, j'aimerais bien avoir 5 épreuves qui soient au moins faisables. Et par la même occasion, si je peux rajouter, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter d'autre Après, parmi les Pokémon peluches que peut-être que vous n'êtes pas forcément être au courant, par exemple, j'ai un Evoli, j'ai Wario, j'ai le Jinjo bleu, j'ai un Puffle gris, j'ai Puffle rouge. J'ai Noctalie, j'ai Sora, j'ai Kyrie. Enfin bref, vous avez plein de personnages. Donc, c'est à vous de jouer. Après, bon ben, c'est vrai que ce serait bien quand même de diversifier un peu les personnages. Peut-être pas forcément voir que les mêmes. Après, c'est à vous de voir, mais n'en abusez pas trop. Juste, essayez de diversifier quand même les personnages que vous voulez. Confirmez-les. Et après, ben, je vais vous dire si c'est possible, ce que c'est pas possible. Ah, peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, vous proposez. Et ensuite, je verrai bien. Si je confirme, je confirme. Après, si ça représente un peu des difficultés, tout ça, ça va être un peu compliqué. Alors, à savoir que je me limite quand même à un certain nombre de personnages. Alors, si jamais par contre, vous êtes beaucoup à commenter en mode « Ouais, je peux voir ce personnage », je vais avoir du mal. Parce que si je me retrouve avec genre 30 candidats, ça va pas le faire. Si j'ai genre une trentaine de candidats, ça va être extrêmement compliqué. Parce que, désolé, mais là, si j'ai animé dans ce cas tout le défi extrême, ça va être extrêmement dur. Parce que si j'anime au moins 30 candidats, ça va pas le faire. Surtout que j'ai prévu un tel nombre d'épreuves. Donc, alors, vous en choisissez deux que vous confirmez et vous mettez un personnage en liste d'attente. C'est obligatoire. Du coup, c'est à vous de jouer. Allez dans le secteur des commentaires et dites-moi, votez quel personnage voulez-vous voir dans le défi extrême, le plateau d'à côté. Sur ce, salut !